bien bonjour à tous les amis, c'est Beau Jumper, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça me tenait comme d'habitude aujourd'hui. Les amis, on se retrouve pour le DLC de Ark. Merci à tous les amis pour tous les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, surtout sur le dernier épisode où on avait tué les Wyverns. Je vous rappelle que les Wyverns, comparés aux dragons, ont deux pattes. Voilà, il me semble que je crois que c'est ça. Et les dragons, quatre pattes. Oui, je précise car c'est super important. Et d'ailleurs, c'est vous qui m'avez tout simplement expliqué cette différence. Voilà. Alors, les amis, donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Ark, donc le DLC. Et comme vous l'avez remarqué, parce que bon, la fois dernière, hein, on avait affronté ces Wyverns, non pas tout seul, mais bien évidemment avec mon golem. Bah, c'était d'ailleurs une chasse complètement terrible, et bah le golem est là-haut, voilà. Il réfléchit au sens de la vie et on peut dire que c'est complètement mon nouveau gardien. Je vous avais dit la fois dernière, la Mantis, donc alias Spider-Man, c'était ma gardienne. Et bah là pour le coup, voilà, hein, je trouve que la chose est très bien là-haut, hein, non. Non, plus sérieusement, c'est parce qu'en fait je voulais la ramener, puis à un moment je lui ai dit stop et bah elle s'est arrêtée pile au bon moment. Il fallait absolument que, comment dire, depuis je l'ai laissé là, hein, je n'ai absolument rien fait. J'ai quitté le jeu, je suis revenu, etc. Mais pour cet épisode bien sûr, mais du coup je l'ai laissé là. Voilà, je trouve qu'il est bien, qu'est-ce que vous en dites, non. Non, on va le faire descendre, j'espère qu'il va pas mourir quand même. Est-ce que tu es solide? Attends, on va voir ça. On va voir ça. Wow, le saut! Un caillou qui tombe! Oh! Et il a survécu? Waouh! Attends, t'as perdu les PV? Fais un petit peu. Même pas! Rien à foutre, moi! J'ai aucun dégât de chute! Waouh! Ah ouais! Non, mais c'est bien! Alors, pour le coup, t'es un peu coincé de ce côté-là. Bah non, c'est vrai, j'ai mon pont. Alors, donc, les amis, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous dire qu'on va encore une fois de plus faire un épisode qui déchire, hein, comme d'habitude, et surtout, aujourd'hui, encore plus que d'habitude, parce que, après de nombreuses demandes, un temps complètement malade, hein, demandé depuis tellement longtemps, quelque chose demandé depuis trop longtemps que je n'arrive même plus à parler, les amis, aujourd'hui, on va capturer, je dirais même voler, un œuf de Wyvern. Depuis le temps, les amis, là, vous êtes sûrement en train de PC comme ça. Oui, oh oui, enfin, c'est pas trop tôt. Oui, les amis, je vous le fais pas dire, c'est pas trop tôt. Aujourd'hui, on va enfin voler un œuf de Wyvern. Alors, je me suis dit, ça y est, ça y est, Buck est prêt. Et puis sur le chemin, je pense qu'on peut, on peut le faire XP. Il y a moyen un petit peu. D'ailleurs, on va le pète un petit peu. Tiens, c'est ce que tu vas faire. Tu vas rester là, tu vas pas bouger. On va prendre des choses sur nous. Normalement, il a de la bouffe, il a tout ce qu'il faut. On va juste, par contre, voilà, claquer un petit coup de pète pour augmenter l'XP, bien sûr, de tous mes dinos, etc. On va. Il y a vraiment ce bug de fou. C'est un bug de fou quand même, ce truc d'eau. On va donc. Alors, attendez. Se vider un petit peu. Bon, je me suis pas vidé. Enfin, quoi que, je vais peut-être garder les. Non, je vais pas les garder avec moi quand je meurs. On va déposer donc ça. Ah non, j'ai plus de place. Ha. Là non plus, mais non, mais. On va acheter les cailloux. 1, 2 et 3. Voilà. Et on va déposer. Tac, tac et tac. Voilà. Le reste, c'est pas important, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. Le reste, c'est moi qui goûte. Enfin, c'est moi qui garde le truc là. T'as compris quoi, tu vois ce que je veux dire. Ok, très bien. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que là, la chose. Souhaite-moi bonne chance. Merci pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, Buck va devoir prouver sa valeur. Alors, à savoir que je ne sais pas combien pèse un œuf de Wyvern. Donc, ça va être la grosse surprise. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai un peu peur. J'avoue, j'ai un peu peur parce que voler un œuf au Wyvern, c'est tellement méga dangereux de la mort que du coup, on va se méfier. On va faire très attention. Ah, c'est ça. Vas-y, bute-le. Ah, tu vas peut-être pas XP, hein. Ah, ça va être juste, hein, si ça se trouve, il aurait fallu retuer une autre Wyvern. Non, c'est pas grave, on a confiance. Alors, moi, ce qu'il me faut en plus, parce que je suis chiant, hein, je suis hyper compliqué, je ne veux pas n'importe quel œuf. Ah, déjà que c'est assez rare d'en trouver, mais je veux un œuf de Wyvern de feu. Je l'ai toujours dit. Ah, je sais que le Wyvern, hein, n'a rien à voir avec notre fameux dragon Smaug, hein, du Hobbit, parce que c'est un dragon, déjà Smaug, et non pas une Wyvern, mais c'est comme ça. J'aime bien, j'aime beaucoup, hein, tout ce qui est un petit peu fantastique, fantasy comme ça. Et pour le coup, je veux entre guillemets mon Wyvern dragon, voilà. Enfin, mon Wyvern avec un nom de dragon, enfin, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enfoncer vers le lac de lave. Je suis tout émoustillé. Si aujourd'hui je sais même plus quoi dire, c'est parce que voilà, j'ai le stress à mort quand je sais que tout le monde me dit, tu vas voir, ça va être dur, hein. Oui, je sais que c'est dur. Non, mais arrêtez de me dire ça, vous pouvez pas me dire une fois. Non, c'est dur, on va pas te dire que c'est facile, c'est. Ah, d'accord, ok, bon. Ok, non, mais au moins je suis en condition. Ah oui, là, je suis en méga condition. Bon, alors, ça va être ma bonne chance, l'insecte. Ça va être ma bonne chance. Il ne me faudrait pas qu'il y ait une tempête. Oh, il y a un tapajera. Ah. Tu veux pas venir m'accompagner? Non? Non? Ah, il vient de me dire non. Bon, bah, écoute, tant pis. Je vais mourir tout seul, et puis c'est tout. Alors, bon. Oh, les gens. Oh là là.
Ça va tellement être hein, tellement être ouf. Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup ce que je vais faire, c'est que je vais crafter un générateur et un frigo pour pouvoir justement déposer l'œuf dedans. Alors à savoir que du coup, je vais en attendant, je vais le mettre dans l'armoire de conservation. Je vais bien évidemment y mettre du sel de conservation pour pouvoir en gros, si vous voulez, ne pas faire éclore tout de suite mon œuf. Comme ça, pas de problème. Si jamais je le mets autour des torches, en dehors d'une armoire ou d'un frigo ou autre, donc en dehors, donc sur le sol, entouré de torches, il va éclore et je n'aurai rien à donner à mon bébé, si vous voulez. Je n'aurai rien à donner à mon bébé ou rien. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je le mette au frigo. Voilà. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, mais vraiment, j'ai crafté le réfrigérateur, j'en aurai pas pour longtemps. Pire, de toute façon, j'ai toujours mon armoire de conservation. Je mets mon sel de conservation, enfin voilà, ça devrait aller. Bon, et puis si je me fais, ben je reviendrai. Je reviendrai, hein, dans tous les cas, enfin si j'y arrive. Si mon argentaïs ne meurt pas. Buck, je t'aime beaucoup. J'ai vraiment ultra confiance en toi. Je ne veux pas te perdre, tu comprends? Alors ce qu'on va faire... C'est qu'on va te faire un petit peu... Est-ce qu'on pourrait pas te faire level up? Je vais lui faire yes level up. Il est passé où le cadavre? What? Wow. Je viens de tuer un dino là. Je voudrais bien le cadavre s'il vous plaît hein. C'est comme si... Ah, what? Wow. What the fuck le bug là? Ok. D'accord. Alors un coup il disparaît, un coup il... D'accord, ok, très bien. Bon, voilà, c'est bon. J'ai fait le level up, Buck. Ok, il dit, oui, bien là-bas. Alors ce qu'on va faire, c'est, regardez, on va le faire danser un petit peu. Dance. Yeah. Voilà, c'est bon, c'était sa petite danse. Ah voilà, regardez. Hop, vous avez vu? Les petits bons, là. Ok, bon. Alors, Buck. Mon pote. Mon ami, mon frère. Je vais te faire lever, je vais te faire monter ta santé à fond, voilà. Et là, mon ami, on y va. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt pour la terrible bataille qui nous attend? Oh, on y est, les amis. Les profondeurs de l'enfer est devant nous. Alors, attendez, on va se poser là. J'aimerais zioter, voir s'il n'y a pas de Wyvern dans le coin, quand même. Voilà, c'est bon. Alors, attendez. Ouais, on y va. Allez, tant pis. Soyons fous. En plus, c'est incliné, donc... Ok. Bon, l'objectif de trouver un œuf de Wyvern de couleur rouge. Y'a pas de Wyvern? No Wyvern? Ok, no Wyvern. Ok, très bien. Pas de Wyvern. Très bien, alors, une niche. Un nid. Y'a un nid, là, mais il est vert. Non, merci. Je veux du rouge. Du beau rouge, bien rouge comme il faut, c'est rouge quoi. Rouge sang. Pas de nid. C'est quoi ça? Ah c'est une mantis. Ok, y'a pas de Wyvern. Ah si y'en a une, j'ai vu, elle est en bas. Wyvern électrique, ok on se barre. On va aller de l'autre côté. Pas de nid. Regardez la mantis. Bien fait pour toi. Ok, une Wyvern là-bas, on va repasser par au-dessus. Allez, au-dessus. On va régène. On va se mettre là. C'est la poudreuse. Mets-toi dessus. Ok. Allez, ça va aller, Buck. Je l'encourage, les amis. Bon. Alors, quand faut y aller. Eh bah, il faut y aller. Bon. Allez, on y va, c'est bon. Donc, l'énergie, ils la font. Allez. On perd pas le nord. On y croit. Alors, on a une autre entrée ici. Donc, de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? Fais gaffe quand même, petit pote. Wyvern Furious, te fais pas piéger. Y'a rien du tout dans les. Remonte. Allez, Wyvern. Ah là. Sale bête. Ils vont pas lâcher l'affaire. Wouah. Il y en a un peu beaucoup là. Qu'est-ce que vous en dites? Problème. Ils sont tous là en fait. C'est donc ici la discothèque. Ok. Hop. Est-ce que là-bas il y a autre chose? Wouah, mais tout ce qu'il y a c'est abusé. Mais ouais, non, mais c'est abusé. Laisse tomber, eh. Il me faudrait un œuf de feu, là.
please, please. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est super grand en plus. Ah là, il y en a plein là, oh là là. Il y en a trop. Il y a trop de Wyvern. Ah ouais, non, là, il y en a trop là. C'est étonnant qu'il m'attaque. C'est étonnant qu'il m'attaque pas, sachant que je suis pas censé être là en fait. Oh, c'est quoi ce rouge là? Vous avez vu la lumière rouge? Oh là, ça va vraiment être chaud. Là, ça va être chaud patate, hein. Après, dire que j'en avais croisé un, quoi. Je crois que c'était un 9 de feu. Ah, bah, c'est... on va remonter. On va se poser là, vite fait. Alors, attendez. Ok, allez, concentration. On peut le faire. On peut le faire, les gens. Si on peut le faire, on peut. Si c'est faisable, tout est faisable. Enfin, le problème, c'est qu'il faut avoir la chance. Ok, donc ici, il n'y a plus rien. Attends, tu déconnes. Donc là, il n'y en a plus. Donc ça, là, il faut que je refasse un aller-retour. Alors écoutez, je vais continuer à regarder de haut. Et si jamais j'en vois un, bah, je descendrai. Ah, je vais faire une petite élite parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Ouais, il y a encore un œuf là, mais il est vert. Ah oh, non, non, pas du vert. T'en fais un peu. Ouais, il est vert. Bah je vais faire des allers-retours, hein, écoutez, jusqu'à temps que j'en croise un, hein, bah je vous dis à tout de suite les amis. Ok les amis, donc c'est bon, donc j'ai trouvé un up de Wyvern de feu et bah il est bien gardé. Pas de bol. Là pour le coup c'est vraiment pas de bol parce qu'il est juste là, regardez. Hop. Oh, attendez, on voit rien. Attends, on va se mettre sur le côté quand même. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Là vous devrez le voir. Voilà, vous le voyez? Il est juste là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le voler. De toute façon, on n'a pas le choix. Là-bas, il y a une cavité encore, mais ce qui est encore. Il y a beaucoup de Wyvern, quoi. Il y a beaucoup de Wyvern. Oh là là. Il y en a trop. Je regarde hein, quand même, hein, je retente. Hein, je regarde un petit peu. Au cas où, ici, on pourrait en avoir un et qu'apparemment. Il y a un petit peu moins de Wyvern. De toute façon, ça va être le beans partout, pareil. Là, je crois qu'on arrive à la fin. Ah, même pas. Ah ouais, mais il y en a autant. Hein. C'est n'importe quoi. Oh, il y a un Alpha Wyvern. Oh, oh les shit. Il y a des gens. Il y en a un Alpha Wyvern. Il est contre une paroi. J'ai pas vu niveau combien il était, tiens, pour rigoler. Je vais un petit peu. Ah, je peux pas voir. Wow. Alors, on va sûrement pas aller par là. On va remonter et puis on va y aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah oh ouais, mais c'est chaud en fait. Hein. Oh là là, il y a trop de Wyvern. Je suis tout seul en plus. C'est ça le plus dur. C'est que je suis tout seul. Bon, bah, vous savez quoi? Allez, faut y aller. On n'a pas le choix, de toute façon, on va bien être obligé d'y aller, hein. On va pas rester là, les regarder en train de voler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteindre l'œuf. Enfin, en espérant pas se faire attraper. Ça m'étonnerait parce que... tellement de Wyvern. Bon, on va se poser là, attendez. Je vais voir s'il n'y a pas... Je peux pas passer à un autre endroit. Eh, vous savez quoi, les amis? Allez, on n'a pas le choix. De toute façon, quand faut y aller. Donc, eh ben, on va foncer. Voilà, on va foncer. On va juste espérer qu'on aura de la chance et puis c'est tout. Allez, on y va. C'est parti. Ok. Allez, chaud patate. On va dans le fond. On va se mettre là. Allez, vas-y. Allez, on se barre. On se barre très vite. On se barre très loin. Ok, ça va le faire. Je veux pas regarder derrière moi. C'est hors de question. Je veux pas savoir ce qu'il y a derrière moi. Si en fait j'ai envie de savoir. What the fuck. Ok. C'est normal. Tout à fait normal. Ils veulent leur bébé. C'est logique. C'est tout à fait logique. Bon. Ok. Allez, on fonce. Il faut les semer. On va le plus loin possible les amis. Oh my god. Bug, te retombe pas mon pote.
Oh, l'armée des enfers me suit. Oh, les chiens. Je vais tout simplement amener l'armée des enfers sur cette map. Oh my god. Ils me suivent toujours. Hein. Ils me lâchent pas. Est-ce que je vais... S'il vous plaît, dis-moi que je vais laisser au bout d'un moment, s'il te plaît. Oui. 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 Oh yes. Oh yes. Ah, oh, ça doit être la maman. Ah, lâche pas l'affaire. Ça y est. C'est la maman qui reste. La maman reste. Oh les shit. Oh, c'est ouf les gens. C'est complètement ouf. Elle lâche l'affaire. Oh, on a réussi. Oh là 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 là. Bug. Pose-toi. Oh my god. Ah là, elle doit être vénère. C'est moi, elle revient. Elle lâche pas l'affaire. Ah là, elle a le seum. Hein. Ah là, elle est dégoûtée. Hein. Ah bah vas-y, viens chez moi, tu vas voir, tu vas bien être reçu, saloperie. Ah ouais, viens chez moi. Non. Elle veut son bébé, hein. Ah, je la comprends, attends, c'est normal. Ah, c'est bon, elle lâche l'affaire. Je suis désolé. Bah, c'est pas grave, on aura une Wyvern dans le coin. À moins qu'elle décide de rentrer, wow. Oh, mais les gens, toutes les Wyverns qu'on avait, oh mon dieu. Oh là là, on a envoyé l'armée des enfers sur la moitié de la map, quoi. Bah ouais, parce que là, du coup, je sais pas s'ils vont rentrer ou pas, mais on est à 9. Wyvern de feu. Ah, c'est génial. C'est trop cool. Avarié dans une 24 heures, plus de 24 heures, et enfin, plus de 40 heures, quoi, limite. Bon, ça va. Ça suffit, ça devrait aller. Oh là là, tu imagines même pas ce qui vient de m'arriver. Tu fais le garde, hein. Aucune Wyvern ne doit passer ici, hein. On va faire gaffe. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Bug va conserver l'œuf et on va le mettre dans le... Conserve... Ok. Salle de conservation. On va faire du salle de conservation, on va faire un mort. C'est le brut soufre. Ok. C'est le brut. Il souffre. Il semblait que j'avais déjà tout ça dans les coffres. Ah! Peut-être là? Souffre. Ok. Très bien. Faisons beaucoup. Faisant une cinquantaine. Ah. Au final, c'était absolument tout. Donc. Ok. Pas mal. Très bien. Buck, tu vas me donner l'œuf, hein, s'il te plaît. Non, Buck, c'est pas une question. Allez, tu me donnes l'œuf. Ah oui, non, sérieux, c'est moi qui l'avais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Non, en fait, j'ai une idée. On va donc mettre le réfrigérateur. Parce que je pensais dans ma tête, là, et tout. Tu vois, j'étais parti loin, tu vois. Je pensais le mettre à la place, là-bas, de notre armoire de conservation. On va le mettre là, en fait. On va le mettre ici. Vous savez quoi? On va le mettre là. Et on va mettre... Donc, tout ça. On va le mettre ici. Voilà, comme ça. Il embêtera rien. Donc là, il me faut... Donc, nous alimenter. Donc, on va mettre l'œuf dedans. Voilà. On va prendre le générateur. On peut normalement le faire avec une éolienne, mais j'aurai pas le temps. Et le générateur, on va le mettre ici. Comment ça se met, en fait? C'est vachement grand, ouais. Bon, on va le mettre du style... comme ça. Ça va le faire? Ok, nécessite de l'essence, fournit l'énergie avec prise de courant. Ok, il faut qu'on fasse des prises. Courant. Prise. Prise électrique. Câble électrique. Donc, câble. Hop, électrique. Câble électrique. On va apprendre ça. Je suis désolé, j'ai pas le temps d'apprendre. Câble électrique, intersection. Et les prises. Prise. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour crafter ça? Câble électrique, ça va servir à la machine, bien sûr. Ok. Fabrique ça. Faut quoi? Lingot de métal? T'inquiète, j'en ai.
J'en ai pas mal, j'en ai beaucoup même. Ok, 116. J'avais prévu le tir. Je pensais pas que j'en avais besoin, mais à ce point-là, mais... On va prendre le câble. J'ai jamais... Là, je vais découvrir tester avec vous en même temps. Hein. C'est... Alors. Ok. What? D'accord, donc ça se branche comme ça. Alors, attends, si on fait... Ça. La prise, faut quoi? Du bois d'électronique. 1, 2, 3. On a dit... On a dit ça. Une prise... Du bois. Allez, tu craft. Du bois, allez, vite, vite. J'ai envie de... Je sais qu'il va tenir le l'œuf, mais on sait jamais. Faire un petit peu. Il est toujours dans le frigo. Ça a l'air d'aller. Ok. Hop, et la prise. Ok, donc là, en fait... Ok. Donc ça se trouve, il fallait... Par contre, c'est normal que ce soit aussi buggy, là. Attends, donc là, il est relié pour lui. What? What the fuck? What the fuck? Non alimenté. Pourquoi il est pas alimenté? Attends, faut une prise ou quoi? Ah, peut-être ça. Ah. D'accord. Bon, c'est un peu bizarre, mais bah ouais, parce que c'est un peu dans le sol. Bon, c'est pas moche. Ok. Ça, on peut le détruire. Ok. Yeah. Ah, 180, waouh, oh, c'est carrément mieux. Ah, oh, génial. Réparer. Pourquoi réparer? Pourquoi il est abîmé, genre? Bah, on va avoir besoin de carburant, mon pote. Bon, ça va, heureusement, du pétrole, c'est pas ce qu'il manque. Donc, il me faut donc de la peau. Et du pétrole. C'est ça, et du pétrole. Ah, attends, est-ce que j'en avais récolté? Il me semble que, ouais. Du pétrole, pétrole. C'est vrai que ça ressemble au pétrole, ça ressemble au pétrole. Ah! J'ai fait un peu trop de sel de conservation, du coup, qui doit pas servir à grand chose. Je sais pas si on peut le mettre dans le réfrigérateur, on va essayer. Oh yeah, j'ai du pétrole. Yes. Et de la peau. Enfin, donne-moi le bois. Tac. Il marche toujours, je l'entends, ça fonctionne. Je fais n'importe quoi là. Ouais, c'est bon. Ok. Ça tourne. Ah, ça s'abîme avec le temps. Ok. Mais ça a l'air de tenir. On peut pas en mettre. Bon, c'est pas grave. Ça servira pour autre chose. Ça peut. On pourra le mettre là-dedans pour la nourriture. Voilà. Et puis au final, je suis bien content d'avoir gardé mon armoire parce que ça coûte cher. Hein. Et puis ça s'use en plus, quoi. Ça, j'étais pas au courant. Bon. Ouais, c'est la première fois que j'alimente un truc, donc ça a été un peu le stress. Ok. Bon. Et bah, là, je suis bien. Là, je suis bien, les amis. Là, franchement, je suis pas trop inquiet. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Regardez-moi cet œuf. Cet œuf fécondé de Women. Ah, c'est génial. 180 heures. Ça devrait me laisser assez de temps. Justement, parce qu'en plus, le fait que moi, je suis pas sur un serveur, je peux quitter tout. Et la nuit, bah moi, y a rien qui passe. Donc c'est encore mieux. Encore une bonne raison, comme la fois dernière, d'être content d'être en solo, les amis. Oh là là, mais cette pression, je suis désolé. Hein. J'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai eu tellement de pression là avec les Weavern. C'est un truc de taré. 193. On va guetter quand même un peu, mais... Ah, c'est ouf, ça. C'est stylé, quand même. Ouais, c'est sympa, ça fait une petite torche. En tout cas, Buck, merci beaucoup. Je te remercie, regarde. Ta tête, tu vois. Merci beaucoup pour ça, parce que c'était génial. Vraiment, tu t'es bien battu. T'as eu le courage de faire ça, parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais toi, t'as fait plus. Franchement, moi, je dis, on peut applaudir, Buck. On peut vraiment l'applaudir parce que c'est un truc de ouf. On a eu beaucoup de chance. Et il y a eu de la Wyvern, hein. Bien vénère, vraiment pour le coup. Bon bah c'est bien, c'est parfait.
Voilà, on va pouvoir conserver à mort le... On va pouvoir conserver à mort tout ça. Et puis ça me laissera peut-être le temps de faire une éolienne au-dessus. Ou sur le côté, vous savez, pour alimenter un petit peu tout ça. Et ça rendra bien. Voilà, ça va être bien. On va faire une petite éolienne là. Tu vois, je vois bien une éolienne là, là. Les éoliennes d'ailleurs, ça se craft à la machine. Et j'aurais bien voulu voir... c'était combien ce que je voulais oublier. Éolienne. Ciment, carte. Oh, ça va ça. Ah, 102 quand même. Hein. La vache. C'est-à-dire qu'il faut que je farme beaucoup de... Enfin 75, mais après de lingots, mais après il faut faire du des cartes, et les cartes c'est carrément du... Bah c'est des lingots quoi. Alors est-ce que les Wyverns sont partis ou pas? J'ai envie d'aller voir. Mais parce que je suis carrément curieux de savoir s'ils sont vraiment là ou pas quoi. Ça veut dire que du coup la zone serait encore plus dangereuse qu'avant. 15h, ok très bien. Waouh, mais les gens, c'était ouf. Non mais attendez, j'ai pas eu le temps de compter combien il y avait de Wyverns aux fesses. J'en avais au moins 7. Ah ouais, la Wyvern, elle est encore là. Faudrait peut-être la buter, en fait. Eh, ça veut dire qu'on peut attirer un Alpha Wyvern et il peut rester dans le coin. Ah, ça peut être une bonne technique, ça. Mal. Ah ouais, c'était le mal. Wouah, 40. Oh, wow, il est en train de foutre le feu. Eh, mais ça va être un vrai bin, ça. On a une Wyvern ici, maintenant. En plus, elle est stylée. Hein. Ça doit être le papa, ouais. À mon avis, c'est la mère qui est partie juste avant. Avant le papa, et c'est le papa qui nous a suivi jusqu'à la fin. Level 39. Je crois que c'est ça, ouais. Oh, wow, mais il doit faire trop mal. Oh là, il est tellement vénère, à mon avis, que du coup, il va détruire tout sur son passage, quoi. À la Smog. Tellement, il doit être dégoûté d'avoir perdu son petit fiston, là. 39, ouais. Waouh. Regardez, il brûle absolument tout. Hein. Il va me ruiner mon paysage. Donc ça veut dire que les Wyverns, enfin du moins celui-ci, il va pas lâcher l'affaire, il va tout démolir dans le coin parce qu'il est tellement pétard que je vais voler son œuf. Oh, waouh, mais les autres, je crois qu'ils ont dû rentrer. Les autres sont rentrés, mais lui, il a pas lâché l'affaire. Il va rester là. Il attend, il m'a pas vu, donc il attend peut-être que je revienne, tu vois ce que je veux dire. Ah mais sérieusement, t'imagines, c'est ça. Il attend vraiment que je me balade et tout. Mais c'est pas grave, je m'occuperai de lui, si vous voyez ce que je veux dire. Je le buterai. Je demanderai à... Parce que je peux pas me permettre de laisser un Wyvern aussi proche de chez moi. Hein. C'est un truc de taré, là. C'est un truc de taré. Là, c'est trop proche. Trop proche. Trop dangereux, là. Ok, très bien. Bon. Waouh. Tiens, je vais peut-être aller voir un petit peu le... Je suis encore sur le choc, quand même. Sous le choc. Hein. Hop, on va pète un petit peu. Oh, 45. Ouais, c'est bon, ça. Ça doit aller, 45. Il faut que ça me laisse le temps d'attirer l'alpha. Pour l'alpha ou même, je crois, ouais, j'ai une petite idée. Je me mettrai en fait tout en haut, vous voyez, de la crevasse. Je lui balancerai une petite flèche de loin. Je l'attirerai dans le désert où il y aura la chose. Et voilà. Mais après, il faut que je revoie un petit peu le level aussi de l'alpha. Parce que voilà quoi. Puis il faut que je fasse XP encore la chose. Et bah voilà. Et bah les amis, on a un œuf fécondé de Weaver. C'est énorme. Je suis tellement content d'avoir fait ça avec vous, les amis. C'est ouf. C'est ouf. C'est une étape super importante dans le DLC de Ark. Parce que là, on se retrouve vraiment avec l'œuf qui nous permettra justement d'obtenir un Wyvern, quoi. Ça va être génial. Ça va être extraordinaire. Donc, ça veut dire que la fois prochaine, on va être obligé de désinguer un alpha Wyvern, quoi. Ouais. On n'aura pas le choix. Eh bien, écoutez. Eh bien, les amis, oh là là, après toute cette pression et cet immense épisode, on s'arrête là pour aujourd'hui, les amis. Je pense que je peux me permettre de vous demander de faire péter, les amis, la barre de pouces bleus pour cette immense capture, cette chasse incroyable. Oh là 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 là, avec tous ces Wyverns que j'avais aux fesses, je les ai même pas comptés, c'est incroyable, j'ai réussi. Alors, j'avais même pas 200, je crois, de vitesse avec Buck, donc les amis, n'hésitez pas vraiment à faire péter la barre de pouce bleu. Je viens de regarder 180, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas aussi également à partager l'épisode et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous, du fond du cœur, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite du DLC de Ark. Ciao, ciao, oh, les amis.